بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه أجمعين أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش وكانوا تجارا للشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم ذئلياه. Le dernier hadith de ce chapitre sur le Iman ou Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de tous ses professeurs qui rapportent de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui rapporte de Hazrat Abu Sufyan ibn Harb radiallahu ta'ala qui dit qu'une fois Hirakl l'a fait appeler alors qu'il était dans une caravane commerciale de Quraysh en Syrie. À quelle époque? Dans l'époque où entre le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Sufyan et les Quraysh, il y avait le traité de paix qu'on appelle le Sulh al-Hudaybiyah. Et ils ont été fait appeler par le roi de Rome en Palestine à Ilias. Fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu 'azama'u Rum. Il les a invités dans son audience et tout autour de Héraclius, de ce roi de Rome, il y avait les grands vizirs, les grands ministres. Thumma da'ahum wa da'a tarjumanahu. Il les a rapprochés de lui et a appelé un interprète. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'amu annahu nabiyyun. Il pose une question, qui parmi vous est cette personne qui est le plus proche de celui qui se pense être prophète parmi vous? Fala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Abu Sufyan s'est levé, il a dit que je suis le plus proche de cet homme qui pense être un prophète. Nous avons déjà expliqué cela. Faqal udnuhu minni wa qadibu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahrihi. Le roi de Rome dira, rapprochez cette personne de moi et rapprochez aussi ses amis, mais positionnez-les derrière son dos. Ensuite, il s'adresse, le roi de Rome s'adresse à l'interprète et dit, قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنَ هَذَا رَجُلِمْ فِإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِبُهُ. Dites à ces Arabes que je vais questionner leur ami au sujet de cette personne qui prétend être prophète. Si il ment, alors tout de suite, prévenez-moi ou démentissez-le. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَا مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبَتُ عَنْهُ. Abu Sufyan dit, je jure sur Allah que si je n'avais pas cette honte d'être traité de menteur à mon retour chez moi, alors j'aurais très certainement menti. Là nous voyons que le mensonge est quelque chose de banni, même dans l'islam, mais aussi dans les autres religions, et même dans l'époque de l'ignorance, c'est un très grand défaut. ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبَهُ فِيكُمْ. La première question qui me fut posée par le roi de Rome est, quels sont les liens de parenté de cet homme? Alors j'ai répondu, c'est quelqu'un qui appartient à une famille très très haute. Alors le roi de Rome pose cette seconde question, est-ce qu'avant lui quelqu'un a déjà prétendu être prophète? J'ai répondu que non. Alors il va me poser la question, est-ce que de ses ancêtres il y avait un roi? Là aussi j'ai dû répondre par la négation. La question suivante, c'est est-ce que ce sont les personnes de classe sociale inférieure qui suivent cette personne ou est-ce que ce sont les notables qui le suivent? Alors j'ai répondu immédiatement que ce sont les faibles et les rejetés de la société qui suivent cet homme. قال أيديدونا من قصونا. Est-ce que le nombre des personnes suivant cette religion, des disciples de cet homme, est-ce que ce nombre augmente ou il diminue? قلت بل يزيدون. J'ai dit que c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. قال فهل يرتضى أحدهم منهم سخطا لدينه. Est-ce que de ces disciples quelqu'un a déjà quitté cette religion par colère, par haine de l'enseignement qui est donné par ce soi-disant prophète, une fois qu'il a accepté cette religion? Alors j'ai répondu là aussi par la négation. La question suivante, la septième question, est-ce que vous l'accusiez de mensonge? Est-ce que vous doutiez de lui lorsqu'il parlait? Est-ce que vous craigniez de lui un mensonge avant qu'il ne se proclame prophète? Je répondis encore une fois par la négation. La huitième question, est-ce qu'il agit en traître? Est-ce que c'est un traître? Est-ce qu'il trahit? Il ne respecte pas ses promesses?
j'ai répondu encore une fois par la négation, mais j'ai continué en disant وَنَحْنُ مِنْهُمْ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِي هَذَا. Cependant, nous sommes pour l'instant en paix, nous avons fait un traité de paix, mais dans ce traité, je ne peux affirmer s'il respectera sa parole ou pas. قال وَلَمْ تُمَكِنِّي كَلِمَةً أُدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Abu Sufyan dit que là c'était le seul moment, la seule opportunité que j'ai eue pour placer une critique sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à part ce moment-là, cette opportunité, je n'ai rien pu dire contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Héraclès continue avec la 9e question. فهل قاتلتموهم؟ Est-ce que vous le combattez? قلت نعم. J'ai répondu par l'affirmative. قال فكيف كان قتالكم إياهم؟ Alors il me pose la question, comment se passent les guerres avec lui? Qui est le gagnant et qui est le perdant? Alors là il me répond, j'ai dû répondre, قلت الحرب بيننا وبينه سجال. Que la guerre entre lui et nous est exactement semblable à un sceau. De temps en temps, nous prenons possession du sceau, et de temps en temps, c'est lui qui prend possession de ce sceau. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à cette 9e question, et aujourd'hui, nous regardons les questions suivantes, la 10e question qui a été posée par Héraclius. Quels sont ses ordres? Quels sont ses enseignements? Pour tout, alors là, j'ai dit, يَقُولُ عَمُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ. Adorez un seul Allah, ولا تشركوا به شيئا, ne l'associez à personne, واتركوا ما يقول آباؤكم, et abandonnez ces enseignements que vous avez reçus de vos ancêtres. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف, il nous ordonne de prier, de dire vrai, d'être véridique et de rester dans le afaf, c'est-à-dire de rester pudique. والصلاة, et nous ordonne de relier les liens familiaux et amicaux. Donc là est le 10e enseignement, la 10e question et la 10e réponse qui a été faite par Héraclius et Abu Sufyan. Dans cette phrase, U'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tarku ma yaqulu aba'ukum, ici Abu Sufyan, il a volontairement formulé cette grande phrase, U'budu Allah wahdahu wa la tushriku bihi shay'a. Il savait que Héraclius, il est romain, était de la religion chrétienne. Ils avaient donc déjà reçu un enseignement. Et là, justement, il a volontairement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de quitter l'enseignement de nos parents, de nos ancêtres, de façon à ce que Héraclius, Héraclès, il ait cette pensée que comment est-ce que cet homme peut se permettre de dire que je suis dans le faux, que mes parents étaient égarés. Personne ne pourrait accepter d'admettre que nos parents sont dans le faux. Même si nos parents font des erreurs, l'enfant digne, fidèle, il va toujours essayer de prendre la défense de ses parents. Et là, lorsque quelqu'un accuse nos parents d'être dans le faux, dans le mensonge, dans l'égarement, alors théoriquement, la personne ne l'acceptera pas et s'énervera. C'est le but d'Abu Sufyan. Il a voulu ici énerver Héraclius, en donnant cette réponse qu'il nous ordonne d'abandonner l'enseignement de nos parents ou de nos ancêtres. فقال الترجمان. Ensuite, Héraclius, il dit à l'interprète, قل له. Dis à cet homme, c'était Abu Sufyan. سألتك عن نسبه. Je t'ai questionné au sujet des liens de parenté de cet homme. Apparemment, nous verrons que dans les réponses que Héraclius donnera, c'est-à-dire que maintenant, Héraclius, il va examiner, il va donner son impression sur chaque réponse qui aurait été donnée par Abu Sufyan. Alors, nous avons l'impression que ce n'était pas des questions au hasard qu'il avait posées, mais vraiment que c'était quelqu'un qui pratiquait sa religion et que dans le livre, dans la Bible qui était en sa possession, il l'avait lu, il avait compris certains passages et il savait qu'un dernier prophète devait arriver. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ. Tu m'as dit que cet homme appartient à une grande famille. وَكَذَلِكَ الرُّسُلْ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا. De la même façon, par l'expérience, l'histoire nous montre que chaque prophète a été envoyé dans une famille digne de leur peuple. Là, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appartenait à l'une des plus grandes tribus, la tribu des Quraysh. La question se pose, pourquoi est-ce qu'un prophète doit toujours être dans une tribu
respectable dans la famille des notables. En islam, dans la religion d'Allah, nous avons déjà vu qu'il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Ce n'est pas la famille qui donne le titre ou le prestige, mais c'est la piété. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tous les prophètes appartenaient toujours à de grandes familles? Est-ce qu'aucun prophète n'a appartenu à une classe très très inférieure de la société? Dedans, il y a une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète, en général, il est envoyé pour tout son peuple. Et dans le peuple, il y a la classe inférieure, il y a les notables, la classe supérieure. Si le prophète appartenait à la classe inférieure, dans son message et dans son enseignement, toutes les personnes appartenant à cette classe inférieure auraient suivi leur frère. Donc le prophète, sans aucun problème. Mais ceux qui appartenaient à la classe supérieure, ils auraient ressenti en eux une certaine honte, une certaine humiliation que de se soumettre à celui qui est de la classe inférieure. Ensuite, de par l'enseignement du prophète,